Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite de la carrière Race Room, nouveau championnat qui débute aujourd'hui, place au WTCC après une saison difficile en DTM où on s'en est finalement bien sorti. Voici désormais la Volvo C60 qui entre en scène avec le Scian Polestar Racing, place à 6 courses dans cette saison 2016 de WTCC. La première aura lieu à Monza avec un remaniement complet des week-ends en termes de réglementation, on va vous expliquer ça tout de suite, mais pour l'heure, c'est le début de la première séance du week-end avec la qualification, c'est parti! Sortie de la pit lane pour la première fois avec cette nouvelle Volvo. Allez, on va sortir à notre aise et on se retrouve ensemble pour le tour rapide. On s'extrait de la parabolique dans notre tour de sortie, on va tout de suite s'attaquer au chrono, c'est parti avec le passage devant la pit lane désormais vide. Les 21 bolides qui composent cette saison 2016 de WTCC sont en piste. Premier freinage. Allez, on saute sur la pédale de frein pour la première chicane. Attention à ne pas être trop gourmand sur les vibreurs. Ça peut coûter très très cher ici à Monza. Pendant la séance d'essai, je suis même parti en tonneau à la première chicane. Ça a été un moment assez surprenant, donc il faut être tendre avec les vibreurs. La curva grande, c'est terminé. Bientôt, le verdict du premier secteur. On retombe en seconde pour la deuxième chicane. Attention avec ces tractions, pas facile de les placer en milieu de virage. On repasse en troisième pour le premier droit d'Elesmo. Le deuxième qui doit être bien pris pour conditionner toute la ligne droite qui ramène vers la chicane Ascari. On est allé un peu au large. Ici, quelques dixièmes se sont envolés, mais rien de catastrophique. La descente et le passage sous l'ancienne boucle. L'ancienne ovale qui surplombe le circuit. On touche les freins juste après le pont ici. En troisième pour la chicane Ascari. Attention ici au transfert de charge, la voiture qui glisse énormément du train arrière. Train très allégé d'ailleurs. L'avant-dernière ligne droite, on tente d'aller chercher un maximum de vitesse avant de toucher les freins pour la parabolique. Cette mythique courbe que l'on va prendre en quatrième, un peu de sous-régime, mais c'est toujours mieux que d'aller taper dans le rupteur en troisième, voilà. Et maintenant, on doit attendre de rejoindre le transpondeur pour le verdict du chrono de cette première tentative. Et nous sommes provisoirement en pole position de cette première course. Et bien, découvrons ensemble la grille de départ de cette toute première épreuve de l'année. Et la toute première pole position de cette saison 2016 reviendra à la Lada de Nicky Katzburg, le Néerlandais. À ses côtés, une voiture indépendante, la Chevrolet du Holink Munich Motorsport avec James Thompson, le Britannique. Yvan Muller, première Citroën, troisième, aux côtés d'un autre Français, Hugo Valente. Nous serons cinquième de cette grille de départ aux côtés de la première, c'est Élisée du Sébastien Loeb Racing, celle de Tom Chilton. Sabine Schmitz, la seule femme du peloton, sera septième aux côtés de Thiago Montero. Tom Coronel, le Néerlandais, neuvième aux côtés de Tarquini, notre meilleur atout. Notre premier équipier, Girolami, sera onzième sur la grille. C'est parti donc pour l'inauguration de cette saison de WTCC. Et c'est parti, le coup d'envoi de la saison 2016 de WTCC avec un bon envol de James Thompson qui va surprendre Nicky Katzburg. De notre côté, on va tenter de faire la nique à Yvan Muller avant le premier freinage. Attention parce qu'on va un peu se jeter dans cette première chicane avec Hugo Valente. Et finalement, c'est pas si bien parti que ça hein, pour Sabine Schmitz et James Thompson. On est un peu poussé. En dehors de la piste, on a vu Girolami qui est passé, Montero également. Attention, juste derrière, il y a Ekblom qui tente de se frayer un chemin. A nous de tenter de réussir de se placer le mieux possible, mais un envol plutôt mitigé pour le moment.
Allez, on essaie de reprendre l'avantage sur Thiago Monteiro à la bagarre avec notre équipier côte à côte avec la Civic du pilote portugais. Et est-ce qu'on peut aller chercher notre coéquipier argentin dans l'entrée de l'ESMO? C'est fait. On a battu Girolami, mais est-ce qu'il peut revenir à l'intérieur? Attention, non, c'est passé. Et c'est une bonne chose. Hop, 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 hop. Très, très large à la sortie du deuxième l'ESMO. C'est parti sur les chapeaux de roue avec en tête les deux Lada Usine. De Niki Katzburg et Hugo Valente. James Thompson, troisième. Devant Yvan Muller. Et on constate que sur notre Volvo, il y a un petit souci. Vous l'avez certainement remarqué depuis le départ. C'est le HUD qui n'est pas du tout synchronisé. On a un gros problème d'affichage de tableau de bord alors qu'on est côte à côte avec Sabine Schmitz dans la ligne droite de retour vers la parabolique. On est à l'extérieur, ça n'est pas la meilleure position face à la Chevrolet. En troisième, alors que devant c'est très très chaud, Hugo Valente qui prend la tête à Niki Katzburg. Alors que nous complétons le premier tour ici à Monza, ça bouge beaucoup en tête du classement. On va essayer d'aller rechercher la Chevrolet devant nous. James Thompson et Katzburg sous la menace de Muller maintenant, puisque c'est passé devant en tête pour la voiture du pilote français. On est allé taper un petit peu dans le moteur alors qu'Yvan Muller est complètement perdu sur le vibreur. On va tenter de passer l'Alsacien. On n'a pas assez de relance sur le moteur de cette Volvo pour le moment. Mais on est proche d'aller chercher Yvan Muller dans la courbe à Grande. On va tenter de passer sur la gauche de la C Élysée numéro 68. On est un peu délesté sur l'arrière. Vous ne le sentez pas forcément, mais moi oui. Ah, difficile de tenir cette Volvo dans ses premiers kilomètres de course. On a manqué de perdre la voiture sur le vibreur. Comportement assez spécial. On a beaucoup de sous-virages puisque c'est une traction évidemment. Mais on est pour l'instant bien placé dans cette première épreuve du week-end. Drapeau jaune. Drapeau jaune, il y a une voiture qui est partie au large devant. Je ne sais pas de qui il s'agissait. Sans doute une des deux Lada, hein, puisqu'on a vu Valente retomber au troisième rang. Et est-ce qu'Yvan Muller va pouvoir aller chercher peut-être déjà un podium? C'est James Thompson, le Britannique, qui mène pour le compte du team de René Munich. Ah, ça bouge beaucoup dans cette première course. C'est beaucoup plus chaud que le DTM, hein, on l'avait vu. On est à deux de front dans l'entrée d'Ascari. Muller qui met la portière pour essayer d'aller chercher son compatriote. Ça ne passe pas, on croise Yvan Muller à la sortie. Ça va le faire sur la Citroën de l'Alsacien. Nous sommes désormais quatrième. Ah, on se reprend après un envol très mitigé ici à Monza. Ça fait plaisir de voir notre Volvo remonter aux avant-postes. Mais on l'a fait souffrir au niveau du moteur surtout et de la transmission avec ce problème de HUD. Je vous ai laissé dans le bas de l'écran l'autre HUD, celui du jeu, pour vous permettre de suivre correctement ce qui se passe. James Thompson est pour l'instant le pilote le plus rapide en 1.57. Il ne reste que 4 minutes. On a passé le cap de la mi-course dans ce sprint ici à Monza, alors que devant, Niki Katzburg est en train d'aller chercher la tête de course. Et nous sommes à l'attaque sur Hugo Valente, mais Muller fait de la résistance derrière. C'est très très chaud. Va-t-on aller chercher un podium devant? C'est fait. Katzburg est au commandement avec la Lada. Et ça va se jouer à pas grand chose sur l'extérieur, peut-être face aux Français. Au moment d'aborder la deuxième chicane. Et c'est Yvan Muller qui vient mettre tout le monde d'accord en nous percutant. Le contact avec le Français qui n'a pas pu se retenir. Est-ce qu'on peut s'en sortir? On ne perd pas de position. Où est Yvan Muller? Drapeau jaune. Ah, Yvan Muller qui a disparu. Et c'est logique, il a complètement loupé son freinage. Et nous nous sommes fait harponner par le Français. Et bien voilà, une course qui démarre sur les chapeaux de roue cette saison également. Et ça continue alors que l'on est dans les dernières minutes, hein, ici de cette partie sprint de ce meeting de Monza. On va avoir droit à une course de 12 minutes juste après une course un peu plus longue où il va falloir réagir avec la tête et la méthode la plus endurante possible pour résister. Sabine Schmitz est pour l'instant 5ème devant Ekblom, la deuxième Volvo. Les trois Volvo sont dans le top 10 pour le moment. C'est très important pour le classement constructeur à l'issue de cette première manche.
au passage par la parabolique, 2 minutes 11 dans cette manche sprint. Les deux Lada de Katzburg et Valente font le show devant, mais James Thompson résiste bien. Pour le moment, 3 tours couverts à Monza, 5 dixièmes entre les deux leaders. Pour l'instant, nous sommes un petit peu à l'abri de la menace Sabine Schmitz derrière, pardon. On va peut-être avoir une opportunité d'aller rechercher les deux voitures devant, alors qu'Yvan Muller revient. Hein. Yvan Muller qui est 8e après sa grosse faute. Ah, le pilote français qui aura été très 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 optimiste sur le freinage. Ça n'est pas passé évidemment, alors que nous-mêmes on était sur Hugo Valente. La voiture n'a pas trop souffert, en tout cas dans son comportement. Je ne vois pas trop de problèmes. Alors qu'on nous informe que nous sommes bas en carburant. Vous l'avez vu sur le tableau de bord, le carburant s'est affiché, c'est normal dans ces manches sprint où l'on embarque que très peu de fuel. Attention devant, James Thompson qui va attaquer Nicky Katzburg pour la tête, Thompson est passé. Il reste 1 minute de course, James Thompson est passé dans ce qui semble être le dernier tour ici à Monza. On va prendre beaucoup de précautions avec le chronomètre, mais... les trois leaders sont en 2 secondes, c'est incroyable. Et tout cela pourrait nous profiter si d'aventure Nicky Katzburg a des soucis, ce qui est le cas. On revient sur Hugo Valente. On revient sur Hugo Valente avec notre Volvo. On va peut-être aller chercher le premier podium de cette saison WTCC. On reste à l'affût, il reste 26 secondes au chrono officiel. Ça va se jouer à pas grand-chose, le freinage. Au niveau de la parabolique à l'intérieur sur le français, ça ne passe pas évidemment. Nous sommes à notre désavantage à l'intérieur, mais c'est positif pour la suite. On est à l'aspiration et Thompson est en tête. Est-ce que Katzburg va tenter sa chance pour revenir? On est actuellement en train de mettre un gouffre sur le reste du peloton. Et on a également le tour le plus rapide en 1 minute 55. Dernier tour de course désormais, ça s'est joué à pas grand-chose ici à Monza. Oh, et ça pousse pour Katzburg qui va aller chercher Thompson. On est derrière les deux Lada. Et on ne peut pas aller rechercher le français. Ah, c'est chaud, c'est très très chaud cette première épreuve. Et avec la grille inversée qui nous attend, nous partirons en fond de peloton. Attention peut-être sur la droite du français. Oh, et ça pousse pour Katzburg qui va aller chercher là, peut-être première place, alors que nous on passe sur Valente, incroyable, on a fait l'extérieur à la chicane, quelle manœuvre! On récupère la troisième place, magnifique! Troisième position, alors que devant ça pousse, encore il continue, Thompson dans le gravier, dans le deuxième, l'Esmo! C'est pas terminé pour Valente qui revient derrière avec la deuxième Lada! Ça va se battre jusqu'à l'abaissement du drapeau à damier dans cette première épreuve. Incroyable, quel lancement de ce championnat WTCC. On freine très très tard. Est-ce qu'on peut peut-être menacer James Thompson? Le petit push sur le Britannique qui est complètement à l'arrêt. On est poussé dans le gravier. Katzburg qui va récupérer la troisième place. La Lada qui n'a pas dit son dernier mot, va-t-on assister à un doublé du constructeur franco-russe? On se replace à l'intérieur, on est à 3 de front pour la parabolique, c'est dingue! Est-ce que ça peut passer? On fait l'intérieur au pilote français, nous sommes 3e! Il va avoir une meilleure relance, il nous pousse! Katzburg devant va remporter! On est poussé dans le mur par Hugo Valente, incroyable, qui va récupérer une place! Schmitz qui passe et Blom également! Jusqu'au bout! Incroyable la résistance de Valente et on paie le prix fort de cette première course. Mais quelle bagarre! Oh, quelle bagarre incroyable avec Hugo Valente et bien finalement on termine 2e meilleur Volvo. Ouh, et ben dites-moi quel début de week-end! J'espère que vous avez encore des oreilles parce que cette première course était chaude. Katzburg l'emporte donc devant James Thompson, le Britannique. A fait ce qu'il fallait, le français Valente complète le podium sur une manœuvre assez discutable. Je vous invite dans les commentaires d'ailleurs à me dire votre avis sur la défense de notre ami Hugo Valente qui se retrouve donc 3e. Sabine Schmitz est au pied du podium, pas mal.
pour la pilote allemande Ekblom. Et donc la première Volvo, nous sommes 6e devant Yvan Muller et Girolami 8e. Cela nous donne donc une grille très intéressante avec Girolami qui sera en pôle du côté de la Volvo numéro 81. Yvan Muller à ses côtés, nous serons sur la deuxième ligne avec Ekblom. Sabine Schmidt sera 5e, Valente 6e, Thompson 7e et le vainqueur Katzburg sera 8e. 9e place pour Thiago Montero. Les Citroën et les Honda souffrent peut-être le week-end des Volvo. La réponse tout de suite avec le départ de la deuxième course du week-end. Et quel envol de Girolami depuis la pole qui prend le meilleur. On est à 3 de front déjà avec Yvan Muller et Ekblom. Alors que l'on va attaquer le freinage de la première chicane. On essaie de se placer à l'extérieur. Est-ce que ça peut le faire? On va aider peut-être Ekblom à survivre derrière. Voilà. On a fait un peu le jeu de l'équipe là en se mettant devant la Chevrolet de Sabine Schmitz. Eh bien, Girolami est en tête. Nous sommes 3e derrière Muller. Hop, attention, regardez cette dérobade que je viens d'avoir sur la voiture. Muller qui est au large dans la première chicane. Et pour l'instant, c'est un week-end de rêve pour Volvo. Première saison en tant que constructeur officiel. Yvan Muller va aller déroger Girolami. Oh, et Muller qui pousse. Et Girolami qui résiste. Oh, ils sont côte à côte à la sortie d'Ascari, c'est incroyable. Et regardez ça, on va aller aider Girolami à reprendre la tête à l'aspiration. Et regardez qui vient derrière, la troisième Volvo qui vient céder. Oh, et Muller qui pousse. Muller qui pousse, il est à l'extérieur, voilà. Et ça repasse pour Valente à l'intérieur, incroyable. Les deux Lada revenus de nulle part à l'issue de ce premier tour. Et Katzburg de nouveau à la bagarre avec Yvan Muller et nous-mêmes. Ça passe très très serré dans la ligne droite descente. Superbe bagarre avec les deux Lada. On va tenter de se frayer un petit chemin à l'intérieur face à Katzburg. On touche Hugo Valente. Oh, et ça peut continuer pour tout le monde. Petit miracle au bout de la ligne droite de Monza. Ekblom a perdu quelques places. Ekblom qui est au ralenti. Ah, que c'est beau. Ça, c'est vraiment du touring car pur jus. Premier tour couvert. Hop, 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 hop. Ça touche malgré tout avec la voiture d'Ekblom. Allez, dans la première chicane, ici à Monza, ça passe. Mais alors que les trois Volvo étaient quasiment en tête à l'issue du premier virage, ça devient chaud de résister aux deux Lada. Allez, le sous-virage ici. Il faut absolument aller aider Girolami. Girolami qui souffre, l'attaque peut-être de Valente, on pousse Katzburg. Katzburg dans le mur. Le gros freinage de Niki Katzburg. Alors que Girolami est sous la pression de Valente, on va aller pousser la Volvo du pilote argentin pour peut-être l'aider à récupérer la tête. Valente qui pousse. Et Yvan Muller qui a pris un off-track. Un dépassement sous drapeau jaune. Je n'ai pas vu forcément la raison, mais les pénalités tombent. Alors que le moteur de la Lada est en train de mettre à mal peut-être la domination de Girolami. Ils vont se retrouver côte à côte au transpondeur. 4 dixièmes entre les deux voitures. Superbe. On se retrouve derrière. On va toucher les freins un petit peu plus tôt pour éviter la catastrophe. Mais c'est passé.
s'est passé pour Hugo Valente, le Français qui mène cette deuxième course. Peut-on aller chercher Girolami sur la chicane? On va tout tenter. Hop, 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 Girolami qui pousse. Allez, il reste 6 minutes 55 dans cette épreuve ici à Monza. Va-t-on voir une Volvo sur la plus haute marche du podium pour la première fois de la saison? Ou va-t-on avoir droit à un doublé de victoire de la part de l'équipe Lada Sport? On est repassé en deuxième ici. Girolami en grosse difficulté. C'est très très chaud ici à Monza. Ekblom toujours quatrième, on va chercher Girolami peut-être au niveau de la parabolique. Ça va freiner. On est dedans. Nouveau tour couvert ici à 6 minutes exactement de la fin de l'épreuve. Et peut-être la victoire pour Valente. 9 dixièmes nous séparent. De la Lada de tête, les trois Volvo sont derrière en tenaille pour essayer de récupérer peut-être une victoire. Attention également à la gestion des pneumatiques. Et Coronel, cinquième, belle cinquième place de Tom Coronel, l'indépendant du team Roll Motorsport sur la Chevrolet. L'attaque peut-être sur Valente dans le premier Lesmo, on y va. Et on récupère la tête sur le pilote français. Et on glisse beaucoup, hein, vous l'avez vu et entendu. Et pour l'instant, les Volvo qui sécurisent deux voitures sur le podium. Oh, c'est sorti large pour la Lada. Hugo Valente. Il nous reste 4 minutes. On va voir si on peut tenir. Record du tour, une 56. Mais c'est pas le tour le plus rapide, je pense. Voilà, Tom Coronel est pour l'instant en une 56.007. La machine la plus véloce sur cette piste de Monza dans cette deuxième course. Allez, Girolami et Ekblom qui sont bien en sécurité pour ramener de gros points à Volvo. Valente est là, on n'a pas de nouvelles de Katzburg, hein, que l'on a poussé en dehors de la piste. Il a donné un gros coup de frein au niveau de la sortie de la chicane Ascari. Alors là, on a donné un petit coup dans le moteur. Valente qui revient, le français n'a pas demandé son reste. Oh, on est très large dans le deuxième Lesmo. Les appels de phare de la Lada, évidemment.
en maîtrise pour l'instant de la situation avec une demi-seconde d'avance sur le pilote français. Nos deux équipiers sont derrière, ça va être une belle performance si ça reste comme ça. Il faut que les pneumatiques tiennent pour tout le monde. Attention parce qu'on assiste à une très bonne sortie de la parabolique pour Hugo Valente. Avec l'aspiration, peut-être que le français peut faire quelque chose. Est-ce qu'il va tenter de déboîter? C'est pas impossible, il se porte à notre hauteur, on va toucher les freins. On reste un peu plus au large. On manque de se toucher. Et Coronel qui est revenu sur le doublé des Volvo. Une minute trente, on est dans la dernière boucle, je crois. Et on est pour l'instant de peu devant la Lada d'Hugo Valente. À une minute de la fin du temps officiel, je me demande si on n'aura pas un tour supplémentaire à effectuer. Je suis très prudent dans mes passages de vitesse, 40 secondes au chrono. Il va rester 20 secondes. Je pense qu'on va avoir droit à un tour supplémentaire ici à Monza. Et oui, pour quelques secondes. Pour 6 secondes, un tour en plus. En espérant que ça ne soit pas celui de trop pour nous. Attention parce que derrière Coronel a fait la jonction avec Ekblom. Nous sommes bas en carburant, c'est ce qui nous est indiqué comme alerte sur le Motec. Mais pour l'heure, tout se passe comme prévu. Une seconde d'avance sur la Lada de Valente, c'est bon. Alors qu'Yvan Muller est dernier mais est le plus rapide. Il vient de battre le record du tour. Mérite que l'on laissera aux autres pour aujourd'hui. L'important, c'est de peut-être s'imposer pour la première fois dans cette saison avec la Volvo. Après deux courses très très disputées. En tout cas, sincèrement, c'était un des plus beaux week-ends de cette carrière Race Room. Il nous reste 10 litres, 10 unités de carburant, 5 litres. On va pas la jouer à la panne sèche, mais pas loin. Dernier tour de la session. Les pneus avant commencent à souffrir. Et nous aussi, la libération est au bout de la ligne droite après la parabolique. Une seconde 5, Valente qui a abdiqué à mon avis. La Lada est cuite. Dernière réaccélération. Pour la Volvo numéro 62, on va s'imposer ici à Monza dans la première course de ce championnat WTCC. C'est fait! On s'impose à Monza, victoire dans la deuxième course. Avec la Volvo, et bien voilà, il n'y aura pas fallu attendre longtemps pour voir s'imposer les voitures suédoises. Bon, bien voilà, on se retrouve vainqueur devant Hugo Valente, deuxième. Girolami, le pilote argentin de chez Volvo, complète la troisième marche donc de ce podium. On se retrouve juste derrière avec Ekblom qui aura su résister à Tom Coronel. José María López est la première Citroën. Catastrophe ce week-end pour les Honda et les Citroën. On jette un coup d'œil au classement général.
Nous sommes à égalité de points avec le français Hugo Valente sur Salada. 33 unités pour chacun des pilotes. On retrouve également juste derrière les autres pilotes Volvo qui ont fait un bon début de meeting avec James Thompson également qui s'est bien débrouillé. On termine donc ce meeting avec une victoire et un très beau résultat général. La tête à égalité de points avec notre ami français Hugo Valente qui nous aura poussé dans la première manche. Donc ça aura été un petit peu kiff kiff. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première manche de cette saison 2016 de WTCC. J'espère que vous l'avez vécu avec autant d'enthousiasme et d'excitation que moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me soutient énormément. Et ça me prouve que vous êtes toujours aussi chaud pour suivre nos aventures sur cette carrière Race Room. On se retrouve très vite pour la deuxième manche. Elle aura lieu aux États-Unis sur la piste de Laguna Seca. La tâche s'annonce un peu plus rude. Merci à toutes et à tous pour votre attention. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon amusement en piste et à la prochaine. Salut !